vous propose quelque chose si vous voulez, les gars. Un petit tour dans un bar que je connaissais à Creil. Creil, c'est quel gamin de cuve, ça? Ouais. Un petit bar, chez Colette. Comment aller trois veut le soir. Et qu'on prenait une chasse. On se retrouvait tous chez Colette d'abord. Il y avait toujours un petit bout de pain à manger. Chez Colette. Mais ce que je préférais là-bas, c'était son assiette de frites sur le bar. De toute façon, tu verras, Jason. Il y a ses filles à Colette. Mais je te préviens, c'est plus facile d'avoir l'entrecuisse que l'entrecôte. Non, mais là, attends. Colette. On n'est pas là pour aller voir Colette, on est là pour aller te voir avec un camion de cuivre. Ouais, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. De toute façon, on guette ton camion de cuivre. Faut attendre 2h30, 3h du matin. Hein? Là, on va se boire un petit verre tranquille, machin, tout. Et puis ton camion de cuivre, je vais aller chercher. Moi, pour moi, tu sais très bien. Un camion de cuivre ou un camion de bouffe, c'est le même. Hein? Quand même, moi, ça m'énerve. On est parti pour aller au camion de cuivre. Et tu veux encore aller au bar. Et puis toi, comme tu bois, tu sais faire que du dégât. T'inquiète pas, tu sais plus qu'est-ce que tu fais. Un petit verre comme ça. Non, moi ça m'intéresse pas, moi. D'un alcoolique. Alcoolique, mais il y a 15 ans que j'ai pas bu, moi, mon frère. Ah bah, avant que tu rentrais, tu t'embêtais pas mal, hein. Ouais, c'est bon, Michael, arrête un petit peu, c'est bon. Comprends-moi, je viens de sortir de 15 ans. Hein, comprends-moi. Colette, à notre belle Colette. Hein? Un vieux steak caché, même moi. Hein? Deux grandes toilettes d'équipement comme ça. Hein? Colette. Deux nichons, deux grandes toilettes. Aïe, aïe.